tout en étant médecin, vous écriviez. Oui, mais j'avais une clientèle faible. Ah, pourquoi faible? J'avais le temps. Parce que j'étais au Hall avec une... J'avais trouvé un cabinet. Sur le trottoir, il y avait des dames ou vêtues de vêtements extrêmement moulants qui avaient donné une très très mauvaise réputation à cette rue, c'était la rue de l'araignée. Elles avaient toutes... Comme clientes. Mais je les ai eues pas très longtemps, parce que j'avais aussi des vieilles dames dont j'écoutais les plaintes. Et si une fille venait dans la salle d'attente, je ne pouvais pas attendre longtemps parce que c'était du fric perdu. Donc si j'ai perdu elle en tant que cliente. Parce que vous écoutiez trop les vieilles dames. Oui. J'avais des mandataires des Halles, très riches, puis des commerçants du coin, etc. Une clientèle qui s'est faite. Très, 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 très fidèle. Très fidèle. Pas nombreuse, mais très fidèle. Ça m'a très bien tenu la tête hors de l'eau. Enfin, de toute façon, je ne parle que de trucs et de machins. Ça montre l'épuisement de mes connaissances du vocabulaire. Oh. Non. Pas non. Forcément. Non. Non, je dis ça pour que vous disiez, mais non. J'ai dit non. Mais faiblement. Ah, mais non. Ah, ben voilà. D'accord. Ok.